Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous parler d'éléments incontournables de Excel, les formules et les fonctions. Alors, outre stocker des données, l'intérêt d'un tableur, c'est de pouvoir calculer des choses à partir de ces données, ce qui va permettre de leur donner du sens pour mieux les interpréter. On va pouvoir additionner des nombres, calculer des ratios, combiner plusieurs éléments de même type, etc., etc. Une cellule Excel peut donc contenir soit des données basiques, soit des calculs. Les données basiques, ça peut être un nombre, par exemple ici ou ici, ou ça peut être une expression textuelle, comme ici ou ici. Ces données, elles sont fixes. On les saisit ou on les importe d'un autre logiciel. Les calculs, par contre, ce sont des données nouvelles, qui sont générés par Excel à partir de données fixes ou de résultats d'autres calculs. Par exemple, ici en G4, j'ai la somme des montants qui sont réalisés par le secteur 1 lors des 4 trimestres. Et ici en C7, j'ai la somme des montants réalisés par les 3 secteurs lors du premier trimestre. L'avantage de ces calculs, c'est qu'ils dépendent en permanence du contenu des cellules qui les concernent. Si par exemple, je modifie un résultat ici, et au lieu de 230, j'ai 120, eh bien, les deux montants qui sont concernés par ce résultat, à savoir le résultat de ce trimestre et le résultat de ce secteur, vont être modifiés automatiquement. Voilà. Et bien sûr, le total annuel qui reprend l'ensemble des résultats sera modifié lui aussi automatiquement. On parle de calculs dynamiques, ils sont mis à jour automatiquement. Alors pour effectuer un calcul, on se place dans la cellule concernée et on commence par saisir le signe égal. Ça indique à Excel qu'on ne va pas mettre une donnée fixe, mais qu'on va effectuer un calcul. Alors naturellement, on peut utiliser les opérateurs arithmétiques de base pour effectuer nos calculs. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Mais on peut aussi aller bien au-delà. Alors je vais prendre un exemple ici. On va calculer les parts de chaque secteur dans le total annuel. Donc c'est égal à ce montant divisé par le total annuel. Je l'exprime en pourcentage. Je centre le résultat. Et voici. Bien sûr, sous Excel, on peut aller bien au-delà de ces calculs arithmétiques de base en utilisant les fonctions. Les fonctions, ce sont des calculs prédéfinis sous Excel. Voici les fonctions les plus courantes. Il y a la somme, la moyenne, un dénombrement, le maximum et le minimum. On constate que toutes ces fonctions sont conçues pour donner un résultat dans un ensemble. Je prends un exemple. Si je veux la même chose que ce montant qui est ici, à savoir la somme de l'ensemble de mes résultats, eh bien, je peux demander la somme de cet ensemble-là. Si je veux au contraire la moyenne de ces différents résultats, eh bien, je peux l'obtenir de la même manière. Alors, l'avantage de ces fonctions, c'est de gagner du temps. Par exemple, pour la somme, on pourrait obtenir la somme en faisant l'addition de cette cellule, puis cette cellule, puis cette cellule, puis cette cellule, et notre formule serait très longue. Là, on utilise une formule beaucoup plus courte, avec une plage de valeurs. Les fonctions nécessitent qu'on les alimente avec des éléments pour pouvoir produire un résultat. Ces différents éléments, c'est ce qu'on appelle des arguments. Alors, je vais prendre un exemple. Si on veut faire une fonction si, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'arguments à fournir. On exprime ces arguments entre parenthèses après le nom de la fonction. Et pour information, les noms de fonctions sont dépendants du pays dans lequel on utilise le logiciel. Les fonctions françaises sont exprimées en français et elles ont leur correspondance dans d'autres langues en fonction du langage d'utilisation. Alors, on l'a vu, Excel cherche à nous faciliter les choses. On n'a pas toujours besoin de se rappeler de toutes les fonctions ni de tous leurs arguments. Quand on commence à en taper une, eh bien, Excel nous propose, à partir des lettres tapées, l'ensemble des fonctions qui utilisent ces mêmes lettres. Et puis, quand on en a sélectionné une, Excel nous rappelle les différents arguments qu'il attend. Et si on a encore besoin de précision, on peut accéder à une boîte de dialogue qui va reprendre l'ensemble des arguments de la fonction avec plus de précision. Alors quand on utilise Excel pour des besoins classiques, on va tourner en général autour d'une vingtaine de fonctions courantes. Mais Excel en propose beaucoup plus. En tout, il y en a plus de 450 qui sont programmées. On peut les découvrir dans l'onglet Formules. Et ici, nous avons la bibliothèque des différentes fonctions. Elles sont classées par famille. On apprend que les fonctions-ci dépendent des fonctions logiques, qu'il y a beaucoup de fonctions qui permettent de manipuler du texte, que les dates et heures sont très complexes à manipuler et donc ont des fonctions spécifiques. Et qu'on peut effectuer de nombreux types de recherches à l'intérieur de notre feuille de calcul. Ces fonctions, c'est la base de l'automatisation sous Excel. Ça permet d'aller plus vite et d'être plus sûr des résultats que l'on utilise. Alors parfois, on peut se retrouver avec des formules et des fonctions extrêmement complexes et générer des erreurs. Dans l'onglet Formules, Excel nous propose des outils de vérification de ces formules et en particulier des outils pour repérer les antécédents d'une cellule ou les dépendants d'une cellule. Alors, je vous montre un exemple. Si on se rend dans la cellule G7 et qu'on demande de repérer les antécédents, on se rend compte en fait que la cellule a pour antécédent l'ensemble de la plage de cellules qui est euh, repérée en bleu ici. Parce qu'on a demandé la somme de cela. Inversement, si on regarde la cellule E4 et qu'on demande ses dépendants, eh bien on se rend compte qu'elle est réutilisée dans beaucoup de calculs. Elle est réutilisée ici et ici au niveau de la somme. Elle est réutilisée aussi très naturellement ici. Et puis on a rajouté deux autres formules ici, la somme et la moyenne, qui dépendent de cette valeur qui est en E4. Et en cas de problème très complexe, on peut ici utiliser le bouton Évaluer la formule qui propose de la décortiquer morceau par morceau en notant en fait le, tous les résultats intermédiaires quand il y a des formules vraiment complexes, ce qui n'est pas le cas ici. Alors j'espère que grâce à ce tutoriel, vous avez compris toutes les subtilités des formules et des fonctions sous Excel. Alors je vous signale que j'ai consacré des tutoriels spécifiques à certaines fonctions avancées et je vous invite bien sûr à les visualiser si vous en avez besoin.